En Italie, ce glacier est désormais placé sous haute surveillance. Chaque mouvement est scruté 24 heures sur 24 par un radar qui a été installé à l'aide d'un hélicoptère, car sa fonte s'accélère à une vitesse préoccupante et sa descente peut atteindre près de 50 cm par jour, d'après les mesures les plus récentes. Situé dans le massif du Mont Blanc, le glacier de Plan-Pincieux menace de s'effondrer et de relâcher plus de 250 000 mètres cubes de glace dans la vallée en à peine plus d'une minute. On a supposé qu'on aura un détachement du front du glacier. Ça fait 250 000 mètres cubes qui ils doivent rejoindre le front de la vallée en plus ou moins 80 secondes. Une situation qui a poussé le maire de Courmayeur à fermer les routes aux abords du glacier. Hier, un premier bloc de glace a chuté sans faire de dégâts, d'après les médias locaux. Mais pour l'instant, impossible de prévoir à quel moment la masse principale pourrait se détacher ou bien se stabiliser provisoirement en cas de baisse des températures.